Et salut tout le monde! Cette semaine, on se retrouve pour customiser une chemise... Cette semaine, on se retrouve pour customiser une jupe en jean. Rien de plus simple. Pour ça, il vous faut une jupe. Des gros lacets, on vous met le lien dans la description parce que Dieu sait si c'est chiant pour les trouver. Des œillets, vous prenez la taille que vous voulez, on s'en fout. Une pince, plus les outils adaptés aux œillets. Ou sinon, si vous n'avez pas la pince, un marteau, ça fait l'affaire. Mais par contre, vous faites attention parce que les œillets, c'est pas facile à poser. C'est pas super dur, mais c'est facile de les rater, quoi. C'est pas dur, mais c'est facile à rater, quoi. Alors, pour commencer, vous découpez une fente sur le devant ou sur le côté, comme vous voulez, jusqu'à la poche, en faisant attention de ne pas couper le fond de poche, bien sûr. Une fois que c'est fait, vous effilochez les bords, vous n'êtes pas obligé, mais nous on trouve que c'est plus swaggy swag. Vous placez les œillets comme vous voulez, nous on a juste décidé de les espacer de 5,5 cm. Et ensuite on a marqué le centre pour pouvoir venir faire des petits trous en croix avec les ciseaux. Voilà. Pour la pose, nous, on a utilisé la pince qu'on est très ravis d'avoir trouvée parce que du coup, on ne ratera plus jamais la pose de Yé. C'est un investissement qu'on vous conseille d'ailleurs. Alors pour la pince, c'est facile, il y a l'outil adapté qui est fourni avec les œillets de la même marque que la pince, donc nous c'est Prime. Vous placez la partie mâle de l'œillet contre le bout de plastique et la partie femelle contre le bout en fer. Et pour finir, vous enfilez le lacet. Nous, on l'a enfilé comme des lacets de chaussures basiques, mais vous pouvez vous amuser. Il y a plein de tutos là pour faire des lassages un petit peu funky sur Pinterest. N'hésitez pas à y aller, n'est-ce pas? Et voilà, votre jupe customisée est terminée. On espère que ce petit tuto custo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette petite idée qu'on a trouvée sur Pinterest. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès qu'il y a une vidéo qui sort. Suivez-nous sur Instagram pour venir papoter avec nous. On est vachement plus actifs là que sur les autres réseaux. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee. Il y a des petites contributions sympas. Nous, en attendant, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.